Les rats. Pamphlet de Philippe Dumas. Dit par Jean Rochefort. Les rats sont des mammifères rongeurs à longue queue. Ils se nourrissent de grains et d'ordures. Mais leur plat préféré sera toujours le cadavre humain. Et ils ont un gros appétit. Les rats nous arrivèrent de loin au Moyen-Âge. Pour tuer, ils apportaient des méthodes artisanales. Ainsi que quelques cadeaux comme la peste et le choléra. Les hommes répliquèrent de leur mieux par la défensive, par l'offensive et par la médecine. Aïe ! Vers 1900, les hommes se croyaient au bout de leur peine, mais les rats étaient malins, organisés, industrieux, décidés. Pour survivre, les rats devaient souvent s'enfuir. Ils s'exercèrent alors à faire de la vitesse, à mettre leurs pattes en rond, à utiliser les poubelles pour se camoufler. Leur coup de génie. Les hommes se demandèrent au début de quoi il pouvait bien s'agir, puis peu à peu s'habituèrent à les voir circuler dans les rues. On dut s'accoutumer à un nouveau genre de vie. Les rats avaient leur plan. Ils avaient beaucoup d'appétit, mais aussi beaucoup de patience. Diplomates, ils s'appliquaient à séduire tour à tour les snobs, les riches, les jeunes, les prolétaires, les familles, les imbéciles et les puristes. Aujourd'hui, ils passionnent le grand public. En même temps, les rats suscitaient de nouvelles vocations et fournissaient le prétexte à des professions distrayantes, voire très distrayantes, sans compter des occupations très recherchées. Il faut dire qu'afin de donner le change, les rats s'étaient mis d'accord pour sembler utile. C'est ainsi que grâce aux rats, l'homme a pu faire de merveilleux voyages, découvrir les Alpes, la France, le Royaume-Uni, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Grâce aux rats, l'homme a pu découvrir la campagne, savourer les paysages, rester en famille, se loger plus facilement, se cultiver. Grâce aux rats, l'homme moderne se sent indiscutablement libre, réconforté, au dire des spécialistes, dans certains domaines. À l'heure actuelle, les rats ont réussi dans leur entreprise. Ils sont les maîtres du monde. Ceux-là même qui les pourchassaient naguère économisent pour les acheter. Chaque homme veut une ratière chez soi afin d'y loger son rat qu'il bichonne
avec tendresse et qu'il couvre des gars, du super confort, des appuis-têtes, des décorations, des chiens qui bougent, des queues de tigre, des compteurs, de petites gâteries, l'écran anti-moustique, la chaîne anti-statique, la lampe anti-reflet, les ressorts anti-choc. Il l'accompagne dans des 5 à 7 mondains et bruyants, où certains se tiennent mal en s'embrassant. D'autres restent collés au buffet. À force de boire, ils épuisent les réserves énergétiques. Ils ont mis au point des méthodes modernes, inspirées par les guerres mondiales, et qui permettent un grand rendement. Qu'importe, l'homme est fier de son rat. Vous avez ici devant vous un rat albinos, dernier modèle. Chaque gouvernement fournit aux rats des lieux de promenade et leur en promet sans cesse de plus grands. Chaque citoyen doit apprendre à servir le rat de son mieux et à le conduire démocratiquement. Ils sont loin les temps immoraux où un seul chauffeur travaillait pour conduire au bord de la mer 2000 fainéants. Aujourd'hui, les rats tiennent le haut du pavé, nuit et jour. Pour eux, on améliore Paris. On embellit la France. Et on les loge. Pas question de leur faire du tort. Car quand le rat va, tout va. Dans ce climat de bonheur, les femelles prospère et les petits poussent bien. Les mâles, eux, vont à la chasse. Ils règlent de vieux comptes, sans pour autant négliger le menu fretin. Mais les rats sont insatiables et de plus en plus nombreux. Ce qu'ils veulent depuis toujours, c'est davantage de viande. Ils préfèrent les enfants, les cyclistes en pleine forme. L'idéal, évidemment, c'est une bonne famille, bien nombreuse. T'avais dit de pas lui dire. Mais il se contente souvent des vieux le soir. Pour les seconder, les rats ont engagé un personnel qualifié. Des tueurs, des techniciens de l'accident. Quand ça ne suffit pas, un rat paie de sa personne. Il se sacrifie pour la communauté, mais de temps à autre, du gibier lui échappe ou se perd. Un autre rat doit alors se dévouer. Le dieu week-end est le dieu des rats. Merci, bison futé. Aujourd'hui, les rats mangent presque à leur faim. Vous êtes moi leur prochaine moi victime. Moi vous laisserez vous manger. Miam miam. Miam miam.